L'ascenseur est en panne et monter avec tous ces outils, bah, c'est du boulot. Ah d'accord. Eh, je vous attends depuis 11h du matin et il est bientôt 17h. Ouais, mais je vous avais dit avant 17h et pas tout à fait 17h. SOS, plomberie, urgence. Eh, j'ai le temps d'inonder tout le palier. Bon, allez, c'est pas grave. Eh. J'en verse un petit avant de commencer. Non, merci, j'avais pas en service. Et par contre, je vais bien m'en fumer une petite. Oh, la clope dans l'appart, je veux pas. Hein. Ah, bon, là, parce que j'ai vu dans le couloir des cendriers avec des mégots. Ah ouais, ah, ça, c'est de la récup que je fais dans les bars pour m'en fumer un de temps en temps. Ah. Ouais, bah, je la fume dehors. Ah, bon, bah j'attendrai alors. Hein. Bon, bah, alors, c'est quoi le problème? Alors, il y a le lavabo qui est bouché et la douche aussi. Ah. Mm. Bon, ben, je vais jeter un coup d'œil. Je peux poser mes affaires ici? Ouais. Mais faites vite, hein. Parce que je bosse bientôt, moi. Ah. Oh. Excuse-moi. Vous bossez la nuit? Ouais. Mm. Ce serait bien de vous brouiller un peu, quoi. Ah, ben, ouais. Eh, je déballe mes outils et j'attaque le boulot. Des balles mes outils. Elle est drôle, là. Ouais. Alors, en parlant de boulot, je voulais vous demander si on peut s'arranger, parce que je voudrais pas que vous commenciez le boulot, puis après, si vous n'êtes pas d'accord, vous voyez, si on peut s'arranger un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est-à-dire que ce soir-là, j'ai pas trop le temps. Hein. Et puis, en fin de journée comme ça, je suis lessivé, hein. Non, mais je viens de finir toute la plomberie d'un appart, là, et vos 5 étages à pied, là, ça m'a complètement lessivé, hein. Mais bon, le prenez pas mal, hein. Je sais bien que vous pourriez réveiller un moribond, hein. Hein, je sais bien que vous êtes une experte, mais là, non, vraiment, je suis trop lessivé, là. Non. Vraiment, attendez, pas. Là. Non, mais qu'est-ce que vous racontez, là, hein? Ben, vous êtes une... Quoi? Ah, vous êtes pas une... Oh, mais, oubliez ce que je viens de dire, parce qu'à partir d'une certaine heure, j'ai le cerveau qui est plutôt irrigué, hein. Oh, ben, j'espère qu'il a assez irrigué pour déboucher mon lavabo. Non, mais attendez, vous m'avez pris pour une pute. Oh, ben non. Calmez-vous, respirez. Je suis chanteuse. Alors, je suis obligée d'avoir un look. Ah, ben, vous chantez? Ouais. Au bar du Black and White, à 19h. Ah, c'est le plus beau métier du monde. Et justement, bah, je voulais vous demander si on pouvait s'arranger un peu pour vous payer. En ce moment, je suis un peu raide, quoi. Vous me ferez un prix, quoi. Hein? Ah, oui. Ah. Et vous voulez un joint? Oh, pour vos tuyaux, je rigole. Hein? Non, mais et dans ce métier, hein? Dans ce métier, on pense qu'on est tous drogués, hein? C'est vrai, hein? Oh, hein? Bah, hein? Ouais. Bon, bah, je vais attaquer. Et si vous avez un CD de vos chansons, bah, vous pouvez le mettre, parce que moi, j'aime bien bosser en musique, hein? Ouais, j'ai failli faire un CD. Comment sert un petit... ouais. Non, mais commencer, c'est là-bas. Comment sert un petit, je vous raconte. Ouais, c'est pas très grand chez moi, hein? Ouais, j'ai failli faire un CD. Ouais, j'ai rencontré un gars au début, hein, je pense. Il me disait que ma voix était incroyable, mes chansons formidables. Il me disait de continuer, de croire en moi, ce que j'ai fait, hein. Putain, c'est bien bouché, hein. Il me disait qu'il allait me faire rencontrer des maisons de disques. Une voix comme ça,
Faut l'entendre. T'es le miel des abeilles, tu disais, hein. Ah, il a squatté longtemps chez moi. Ouais. Puis dans mon cœur aussi. J'ai eu des nouvelles de lui. Il est garagiste maintenant. Ah ben, les bagnoles, ça rapporte pas mal, hein. Ouais. La plomberie aussi, non? Hein? Ouais, bon, j'y retourne. Eh, mais vous pouvez pas un petit peu trop, là, pour chanter? Non, mais de quoi je me mêle, hein? Occupez-vous de vos tuyaux, hein? Vous allez chanter, vous? Non? Je chauffe la voix. C'est vrai, quoi? Non, mais j'aime bien les chansons. Eh, vous savez, je veux pas me mêler vos affaires, mais dans le fond, on est pareil, tous les deux, hein? Bah ouais, je suis comme vous. Alors, on a rencontré les gens qu'il fallait pas. Ouais, parce que moi, il y a un an, j'étais à mon compte. Hein, et j'ai un collègue qui a voulu s'associer. Et de là, ça a merdé grave. Il m'a arnaqué. Et bah, j'ai lâché l'affaire. Heureusement, j'ai un autre pote, il m'a embauché dans sa boîte de plomberie. Dans la vie, il y a des bons moments. Et puis des mauvais, mais ça passe. Hein. Alors vous bouffez pas la santé ni la voix. Non mais attendez, je pense pas qu'on soit pareil. Ouais, moi je suis une artiste, moi. Je suis chanteuse. Moi je crée, je donne. Vous donnez quoi? Hein? Vous donnez quoi, vous? Hein, moi, ben, je donne de l'émotion, hein, de l'émotion. Hein, quand j'ai fini de chanter, hein, et qu'ils me disent merci, c'est le meilleur des cadeaux. Moi, des fois, je chante quoi devant 10 personnes, maintenant? Et je donne, moi, je donne. Je pourrais pas faire autre chose. Ah ouais, non. Oh, j'ai essayé, hein, d'avoir un boulot comme vous. Ah non, moi j'ai besoin de partager, c'est comme ça quoi. Faut pas croire, mais moi aussi je donne de l'émotion. Quand j'ai bouché un chiotte qui était débouché depuis plus d'une semaine, hein, vous croyez qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans, hein? Et moi aussi les gens ils viennent me remercier avec les yeux pleins d'armes. Non, moi je déconne, c'est vrai que moi c'est pas vraiment un métier de passion, hein, c'est sûr. Hein. Ah ben moi si j'avais eu le choix j'aurais fait autre chose. Hein. Je serais certainement pas plombier, bah non je sais... Pas comme vous, ah bah oui, vous, ça a été incroyable. Ouais. Non, moi j'aime les gens et j'ai envie de les aider. C'est pour ça que quand je vous vois comme ça, là, en train de boire, bah, j'ai envie de vous aider. C'est dans ma nature, c'est comme ça. Ouais. Hein? Et vous voulez vraiment m'aider? Bah oui, c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Eh ben ça serait à déboucher ma douche et mon lavabo, ça va pas se faire tout seul. Ah ouais, vous êtes pressé. Voilà. Oh, bah, Ah, ça y est, je l'ai enlevé. C'était carrément une pelote de laine qui bouchait vos tuyaux. C'est bizarre. Ah oh, bah ouais, vous tricotez? Ah, j'ai une tête à tricoter. Ah bah non, c'est vrai. Bon ben, vous avez, je range mes affaires et vous allez voir comme ça fonctionne bien maintenant. Et vous n'aurez pas une serpillière parce qu'il y a quand même pas mal d'eau là par terre. Oh, laissez, je le ferai tout à l'heure, laissez. Ouais, mais restez pas pieds nus, c'est pas recommandé. On a déjà eu Claude François, on voudrait pas vous perdre. Hein. Bon, ben, normalement, mes collègues, ils vous prendraient facile 100 euros. Hein. Eh ben, donnez-moi 50, on n'en parle plus. Merci. Hey. Venez me voir au bar du Black and White. J'y suis tous les jeudis, vendredis et samedis. Bah ouais, un soir où je suis pas trop lessivé alors. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Bon ben, au revoir. Au revoir. Thank you.